Des lianes de 7 mètres de haut qui portent des cônes de houblon. C'est la fleur qui, séchée, entrera dans 5% du processus de fabrication de la bière. Un projet qui a nécessité la pose de 240 poteaux et 20 km de câbles. Pour la récolte, un tracteur équipé d'un mécanisme adapté à cette culture coupe et tire les lianes. Là, elle est coupée et puis au printemps l'année prochaine, on va la tailler dans le sol, au niveau du sol. Et puis elle va repousser, elle va refaire ses lianes à partir du mois d'avril environ. Et puis elle va refaire son cycle jusqu'au mois de septembre. 5800 pieds ont donc été plantés à la main sur 2 hectares. Après la récolte, les lianes passent dans une trieuse pour en extraire les cônes. La qualité est au rendez-vous et cette nouvelle source d'approvisionnement intéresse vivement ce brasseur de Poitiers. Il y a vraiment une influence du terroir, de la terre, du climat qui est faite, qui a des répercussions sur le houblon, sur la qualité du houblon. Donc effectivement, avec les variétés qu'on va avoir ici, on ne va pas avoir les mêmes rendus, que ce soit en amertume, que ce soit en arôme, que la même variété qui a poussé sur une autre parcelle à l'autre bout du monde. Pour cette première récolte, le rendement devrait avoisiner 1,5 tonne à l'hectare. Une fois triées, les fleurs sont séchées, puis compressées. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est pour déjà réduire le volume, parce que c'est très volumineux, pour le stockage, et en même temps empêcher donc l'altération par les... Il ne faut pas qu'il y entre d'air. Pour l'oxydation, il faut que le produit soit stabilisé. Donc une fois que c'est mis comme ça en ballot, on le met tout de suite en chambre froide. Une production qui trouve très vite des débouchés avec une forte valorisation. La fleur de houblon se négocie entre 30 et 35 euros le kilo.